J'ai attaqué le kart à l'âge de 13 ans. J'ai fait des compétitions, j'ai fini 3e au championnat de la Ligue Rhône-Alpes. Et ensuite, je me suis tout de suite dirigée vers la Formule Renault pour me consacrer aux entraînements et voir un championnat, pourquoi pas la saison prochaine. Pour Angelina Favario, une journée réussie est souvent synonyme d'une journée pied au plancher. La toute jeune Savoyarde aime la vitesse et la conduite. Pendant 2 jours, elle a été servie en enchaînant tours de piste et débriefing. Rouler, analyser, corriger, s'améliorer, le programme est chargé. Dès que tu es à la corde, déjà ton regard il est vers l'extérieur sur le vibreur pour enlever du volant, profiter de la largeur. Okay. C'est vraiment important qu'à chaque fin de série, on nous explique comment il faut passer dans les trajectoires, la relance moteur, comment il faut préserver nos pneus, enfin tout. À l'occasion de ce stage, Angelina va chercher à augmenter son niveau de performance, à grappiller des secondes et prendre confiance dans cette monoplace qui demande déjà une sacrée technique de pilotage. Une Formule Renault qui développe 120 chevaux pour une vitesse de pointe à 180 km par heure. De quoi donner quelques sueurs aux parents spectateurs. Sur les entraînements, ça va, c'est pas stressant, mais c'est pour les courses plutôt. Les départs, tout ça, c'est quand même intense. Ouais. Moi, j'ai un peu plus d'appréhension. À 16 ans, Angelina montre de vraies dispositions, aussi bien en termes de conduite que de force de caractère. Bagage nécessaire pour réussir dans un milieu extrêmement concurrentiel et un tantinet macho. On me fait la critique de dire mais c'est pas possible, tu peux pas rouler aussi vite que les garçons parce que t'es une fille, ou c'est pas possible, tu n'y arriveras pas autant qu'un garçon, t'as pas la force physique, ou toutes ces choses. Toutes ces choses renforcent l'envie de persévérer d'Angelina, qui n'a qu'un rêve en tête, être celle qui un jour donnera un ton féminin à la F1.